Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons de Mito Borralho dans la telenovela Mara, une femme unie. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En effet, de son vrai nom, Mathilde Melo Brenner, elle est née le 13 avril 1984 à Lisbonne, au Portugal. Elle a travaillé à la télévision, au théâtre et au cinéma. En 2003, l'un de ses premiers emplois d'actrice a été celui de Mariana dans le feuilleton Morangos comme Asuka, diffusé sur TVI. En 2015, elle a interprété le rôle de Chinina dans Inspector Max. En 2012, elle a joué le rôle de Margarita dans la telenovela Primogenito, diffusée sur RETP. Entre 2015 et 2017, elle a joué le rôle de Mito Borralho dans le feuilleton Mara, une femme unie. Entre 2017 et 2018, Mathilde a incarné le personnage de Léonore Mathias dans la série télévisée de TVI à Herdera. L'actrice est la sœur de Pureza de Melo Brenner et a toujours une sœur cadette nommée Marina da Camara de Melo Brenner et également un frère nommé Thomas da Camara de Melo Brenner. Elle s'est mariée à Las Vegas dans le comté de Clark avec l'acteur Thiago Frederico de Valsassimo Teozonio Palmo le 7 septembre 2019. Mathilde et Thiago se sont mariés pendant leurs vacances aux États-Unis. Les deux acteurs ont échangé des alliances dans la Little White Winding Chapel à Las Vegas. Il faut rappeler que les deux tourtereaux sont ensemble depuis 2016 et sont tombés amoureux lors du tournage d'une série où les deux ont joué un rôle d'un couple dont la relation était très intense et les scènes intimes ont fini par allumer la flamme de la passion. Voilà les amis, nous voici venus au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.